Nirlo qui va mettre un long ballon en profondeur vers Guillaume Kous. Guillaume Kous, le 1 contre 1 joué. Guillaume Kous qui va réussir à marquer. Il va tromper Thomas Vincenzini. Et bien voilà un jeu de transition très rapide. Et Guillaume Kous qui en plus en profite pour célébrer un heureux événement avec le ballon sous le maillot. À gauche, attention justement à Boyer. Surface, la reprise. Oh, le poteau pour Lucas Capou. Attention, le ballon dans la surface, est-ce qu'il est en position en jeu? Non, il n'est pas en jeu, Anthony Rubic. Et voilà l'égalisation pour le Sporting Club Bastia. Ndiaye va essayer de le récupérer. Oh, l'entrée dans la pénalty. Surface, ce sera un pénalty. Bocognano, et voilà, à contre-pied, à Cassara, et 2-1 pour Bastia. Attention à la vitesse de Kevin Schur. Kevin Schur qui va peut-être pouvoir donner son ballon. Oui, c'est bien fait au deuxième poteau. Et voilà le but du 3-1 qui est marqué par Anthony Rubic sur un service de Kevin Schur. Le centre de Couturier pour Isidore. Isidore qui va s'appuyer. Isidore qui récupère ce ballon. Isidore qui tente de glisser vers Durban. C'est récupéré par Barbet face à Essendé. Barbet qui s'arrache pour Oubenstock. Le centre d'Oubenstock pour Geoffrey Durban. Et l'ouverture du score de cette équipe de Bastia Borgo par l'intermédiaire de son buteur Geoffrey Durban à l'affût. Magasuba qui revient avec Oubenstock. Oubenstock qui arrive à dédoubler avec Wilson Isidore. Wilson Isidore dans la surface de réparation. Le centre cordeau de Wilson Isidore. Ce ballon relâché par Anthony Beuve. Et le second but pour cette équipe de Bastia Borgo par l'intermédiaire d'Alexandre Cropanez. Et là, les trois points viendraient surtout consolider une très belle entame d'année 2021. Avec Magasuba pour Isidore, la frappe d'Isidore, la parade de Beuve, le troisième but pour cette équipe de Bastia Borgo par l'intermédiaire de Clément Couturier. Ça va trop vite ce soir. Pour essayer d'aller chercher peut-être à l'entrée des 5-50, la belle présence de Pierrick Rowe et surtout l'arrêt d'Anthony Mandrea de la part de Moussa Silla qui va aller lancer là très rapidement. Et bien Chobi dans la surface, c'est la bonne frappe. Allez, le coup franc là pour le stade Lavallois, il y a de la présence et c'est de Meite qui va venir ouvrir la marque. Et non, le but sera refusé. Le but sera refusé, non pas pour une position de hors-jeu mais pour une faute et bien à l'origine de l'action. C'est parti pour Johan Brun. Oh, à l'entrée des 5-50. Et finalement, eh bien, la frappe de Mehdi Boutchema. Et quel arrêt! Quel arrêt de Mandrea! Pas du tout dans ses plans pour lancer l'entraîneur d'Orléans. Là, c'est bon pour Bilal Brun. Il fait une première réaction pour les morceaux avec Félix Tomic qui va pouvoir se présenter. Et l'ouverture du score, c'est pour le Mans FC. Et c'est un revenant. C'est Félix Tomic qui va marquer. Avec ce très bon travail sur le côté droit, ça fait 1-0 pour Le Mans, un petit peu contre le cours du jeu. Il va se saisir avec la frappe derrière. C'est signé Durel Avounou. Il était tout seul, Durel Avounou sur ce coup-là. Et il va aller inscrire le deuxième but pour Le Mans FC. Ça va revenir, est-ce que... Non, il est bien, il a réussi à revenir finalement. Le ballon qui est récupéré par les Manceaux. Et Ghislain Jimbert qui va se présenter seul face à India Sembe. Ghislain Jimbert pour le 3-0. Jimbert. Et le 3-0. C'est signé Ghislain Jimbert. Ouais, ça faisait 2-3 fois que Costa récupérait des ballons depuis tout à l'heure. Et là, super passe de Costa sur Jimbert. Faites vos jeux. Kéboué, enroulé. Kylian Kéboué. Bien tiré. Ouais, il va crocheter un crochet, deux crochets et peut-être pénalty. Pénalty pour Quevilliron Métropole. Vincent Papalardo. Gaucher. C'est parti. Ouais, bien tiré. Et Otman Dadoun qui ouvre le score pour Quevilliron Métropole. 1-0 pour les 100 et or qui étaient revenus avec de bien meilleures intentions sur cette seconde période. Ils sont récompensés les joueurs de Bruno Irles. Ils ouvrent le score 1-0. Oh, le petit pont, il est passé de la part de De Coquet là sur Jason Boyon. De Coquet en plein effort. La démonstration de De Coquet. Oh, ça rentre. Ça fait un but à zéro pour le Sporting Club de Lyon. Le festival de Nathan De Coquet. Il a passé en revue le côté droit de la défense cristolienne avant d'aller exécuter. Informé par le délégué, il y a 4 minutes de temps additionnel. Je pense qu'il y en a
bonne minute 30 qui s'est écoulée là. Rivas qui arrive dans la surface de réparation. Rivas ! Ça fait 2-0 et le match est définitivement plié. Rivas vexé d'être sur le banc, il est rentré, il a marqué tout simplement. C'est ce qu'on lui demande à cet homme d'expérience. Gaëtan Perrin maintenant qui va accélérer, il va avoir la force lui dans les dernières minutes d'accélérer justement. Et le ballon pour Fodé Guirassy, Guirassy qui va avoir un peu de chaud devant lui, on est à l'entrée de la surface de réparation, le bon retour de Vargas, Fodé Guirassy qui est passé dans la surface de réparation, Guirassy la frappe, le poteau pour Fodé Guirassy, c'est peut-être pas fini avec Amin Talal. Les grands sont montés également du côté de Saint-Brieuc, il est au deuxième poteau, il est pas mal tiré, la bonne défense de Lambès, ça revient sur Valentin Lavigne. A conserver ce ballon, Gaëtan Perrin, c'est bien fait, qui retrouve Seydi. Et le ballon pour Fodé Guirassy maintenant, qui va peut-être avoir une nouvelle occasion de se montrer dangereux devant le but. La remise en retrait, la frappe derrière, non, on laisse passer Gaëtan Perrin. La frappe de Perrin, la parade de Maxime Pathier, c'est peut-être pas fini, la frappe derrière de Stéphane Lambès. Et ce ballon qui finit en touche. Nouveau centre dans la surface. Allez, faut y aller, là. Oui, l'arrêt. Allez. Et en deux temps peut-être. Le manqué dans la surface. Un 0-0 à Guy Périou, c'est assez rare. La dernière fois, c'était la saison dernière. Attention tout de même à cette frappe.